Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Attendu jeudi en mi-journée en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo reste très populaire auprès de ses partisans qui ont pris d'assaut le siège de son parti à Abidjan, constate un observateur de la scène politique ivoirienne. L'ancien président ivoirien arrivera en vol régulier et sera accueilli au pavillon présidentiel par des officiels de son parti, des membres de sa famille, et éventuellement certains membres du gouvernement. Mais le retour de Laurent Gbagbo, est-il un gage à la réconciliation nationale? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani, et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. D'Ivoire, retour de Laurent Koudou Gbagbo, gage de la réconciliation nationale, c'est notre grande interrogation de ce mercredi matin. Après 10 ans d'absence, Laurent Gbagbo, de retour jeudi en Côte d'Ivoire, après son acquittement de la Cour pénale internationale, l'ancien président ivoirien est attendu par une grande partie du pays et surtout par une très grande majorité des Africains. L'ex-président ivoirien Laurent Koudou Gbagbo doit donc rentrer ce jeudi 17 juin de l'an de grâce 2021 à Abidjan, après 10 ans d'absence, 3 mois à peine après son acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la justice internationale et le feu vert à son retour donné par les autorités ivoiriennes au nom de la réconciliation nationale. Laurent Koudou Gbagbo, qui a dirigé le pays pendant 10 ans jusqu'en 2011, sera accueilli au pavillon présidentiel aéroport comme l'a proposé Alassane Dramane Ouattara. Un geste en faveur de la réconciliation salué par les Ivoiriens qui restent sceptiques quant à l'attitude, il faut le dire comme ça, de Ouattara et de son gouvernement. L'avion en provenance de Bruxelles doit atterrir à l'aéroport d'Abidjan à 15h45, heure d'Abidjan. On parle bien sûr de l'heure locale. Une journée déjà qualifiée d'historique par bon nombre d'Africains. Elle marque le retour d'un homme de 76 ans qui domine la politique ivoirienne depuis des décennies comme opposant, président de la République, puis prisonnier. Il revient, selon ses proches, sans esprit de vengeance, mais au contraire pour œuvrer à la politique de réconciliation nationale. Dans la foulée de son acquittement et au nom de la réconciliation nationale, dans un pays meurtri par les violences politiques et ethniques depuis plus de 20 ans, Alassane Dramane Ouattara avait donné son feu vert au retour de Laurent Gbagbo, assurant qu'il bénéficierait des avantages dus aux anciens présidents. On attend de voir ça. Une autre promesse que les Africains espèrent sera tenue, car pour la majorité des Africains aujourd'hui, Alassane Ouattara ne tient jamais ses promesses. Le tiendra, ou alors la tiendra-t-il, ou sera-t-il contraint de la tenir? Nous nous interrogeons. En annonçant début avril dernier qu'il était libre de rentrer quand il le souhaitait en Côte d'Ivoire, Ouattara n'a pas mentionné la condamnation à 20 ans, il faut le dire, du président Laurent Koudou Gbagbo, mais Amadou Koulibaly, ministre ivoirien de la communication et porte-parole du gouvernement, a laissé entendre qu'elle serait levée. Il faut le dire également que le collectif des victimes de la Côte d'Ivoire a annoncé qu'il manifesterait à l'arrivée de Laurent Gbagbo. Qui est derrière justement ce collectif de victimes de la Côte d'Ivoire? Allez savoir. Et pourquoi avoir choisi de manifester justement ce jeudi lors du retour de Laurent Koudou Gbagbo? Mais à 2 jours et surtout à quelques heures, il faut le dire comme ça parce que ce n'est que demain, de l'arrivée de l'ancien président, son parti et le gouvernement ont donné, il faut le dire, peu de détails sur l'organisation de cette journée qui pourrait voir les supporters de l'ex-président ivoirien affluer massivement vers l'aéroport pour accueillir leur chef. Les discussions sur la sécurité sont toujours en cours. Le souci des deux parties est cependant d'éviter tout débordement. Mais comme on connaît bien sûr la popularité de Laurent Koudou Gbagbo, eh bien, ils sont nombreux, les Africains qui pensent que ce seront bien sûr des milliers et des milliers de personnes qui l'attendront du côté de l'aéroport. Là-bas encore, on nous fait savoir qu'au pavillon présidentiel de l'aéroport d'Abidjan, on a prévu des bâches un peu partout pour que, il faut le dire comme ça, ses partisans, ceux qu'il aime et tous les Africains puissent l'accueillir. Voilà où nous en sommes, jusqu'à preuve de contraire, à 24 heures de son retour, parce que demain, heure d'Abidjan, 15h45, heure d'Afrique centrale, ce sera justement 14h45 où l'avion
présidentielle, il faut le dire, l'avion du président Laurent Koudou-Gbagbo atterrira à l'aéroport international d'Abidjan. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Côte d'Ivoire, retour de Laurent Koudou-Gbagbo, gage de la réconciliation nationale, c'est notre grande interrogation. Président Bandakani, jusqu'à preuve de contraire, du côté d'Abidjan et surtout du côté de la Côte d'Ivoire, les autorités nous font savoir qu'ils ont tout prévu pour accueillir Laurent Koudou-Gbagbo. Il faut le dire également qu'ils ont prévu que, il faut le dire, qu'il y ait des bâches. On va le dire comme ça. C'est ce que le ministre ivoirien de la communication a déclaré hier pour, et sans oublier des chaises, pour attendre Laurent Koudou-Gbagbo. Mais il y a également qu'il y a le problème de la liesse populaire qui pourrait inonder les rues de la capitale. Je vais séquencer mon propos en deux ou trois parties. D'abord, rappeler toujours, mon cher Ngoz, les enjeux de la libération, de l'acquittement généralisé oui. du président Gbagbo et de son ministre, Charles Blé Côté. Toujours rappeler. J'ai déjà indiqué ici, pendant une émission que nous avons faite ici, j'ai suffisamment explicité la teneur de ces enjeux à tout point de vue. Pour me résumer, nous avons indiqué que le président Gbagbo était un patrimoine de l'humanité. Il n'était plus au niveau de la Côte d'Ivoire. Et il cristallisait sur sa personne des enjeux extraordinaires sur la valeur de ce que c'est la validité de la justice internationale, sur la validité du modèle économique qui est imposé au monde entier par la violence, la cruauté et la rapine, et qui est dirigé par le FMI Banque mondiale, n'est-ce pas, et qui est coiffé par les 13 familles. Oui. Voilà. Nous avons indiqué les enjeux culturels, c'est pas la volonté de standardiser les cultures dans le monde au profit de la culture globaliste des Illuminati qui est basée sur la promotion des contre-valeurs et leur transformation en valeurs. Nous avons indiqué les enjeux de géopolitique, les enjeux éducatifs, les enjeux de notre rapport avec ce pays bidon, bizarre qu'on appelle la France. Tous ces types d'enjeux, nous l'avons démontré. Nous avons démontré aussi que Gbagbo avait déjà gagné les élections au moins 3 fois. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 verdicts qui ont démontré qu'il a gagné les élections. Il y a le verdict d'abord même des élections, n'est-ce pas? Il a demandé qu'on recompte les voix à l'époque, tout le monde sait. On a refusé. Oui. Pas, on a préféré détruire, bombarder, faire la guerre. Il y a le verdict de l'histoire, tel qu'il ressort de la CPI, 2e victoire. Et enfin, cette 3e victoire, c'est l'incapacité du régime à laisser le peuple ivoirien célébrer, n'est-ce pas, le retour de son président dans des conditions de popularité, n'est-ce pas, ce qui est la preuve, n'est-ce pas, par l'absurde, que le régime lui-même est bien conscient que le président est très populaire, il est très aimé, et que ce niveau de popularité, n'est-ce pas, si on laisse cela, n'est-ce pas, se manifester, le monde entier verrait, n'est-ce pas, que en réalité, qu'est-ce que le président Ouattara fait encore dans son palais? L'usurpation, n'est-ce pas, serait encore une fois de plus présentée en plein jour. Nous avons démontré tout ça. Mais ce matin, je voudrais revenir sur la grandeur et la profondeur de la défaite de la CPI d'abord. Vous permettez? La défaite de la CPI d'abord. Est-ce que vous savez que on n'a même pas ouvert. La défense n'a même pas plaidé. Hein. La défense n'a pas présenté, non. Aucun témoin d'ailleurs. Il faut rappeler ça. Oui. C'est-à-dire que la défense n'a même pas plaidé. Tellement le dossier était mal monté, était, c'est-à-dire, vide. Bancal, vide, truffé d'irrégalité. Le dossier puait la mauvaise foi et le parti pris et la sorcellerie, il faut le dire, de Mme Bensouda. Au point où les juges à l'oral, c'est à l'oral, on a dit, il faut laisser ce monsieur partir. Quand on regarde la procédure, c'est une honte pour la justice. Il faut rappeler ça, mon cher Gauss. Plus de 550 témoins avaient été sélectionnés. Par qui? Par l'accusation. Oui. Par le procureur. 50 ont été écartés. Et on a présenté finalement 82. Et le bilan est désastreux. Ça veut dire que sur les 82, vous connaissez ce qui s'est passé. Tous, la plupart sont venus décharger le président Gbagbo et son ministre. Il faut rappeler ça. Pour qu'on voit la puissance, la grandeur de l'enjeu, non seulement en termes de justice internationale,
Mais en termes de ce qu'on a monté contre cet homme, mon cher Ngos, mais il y a plus grave. Hein. Il y a plus grave. Avant même, écoutez ce que dit le document détail, on appelle ça détail du jugement motivé. Oui. Dit les juges publient, on publie le document, les juges, qui explique pourquoi ils ont demandé que le procès ne s'ouvre même pas dans le fond. Il faut le laisser partir, le document. Ils ont publié ça le 16 juin 2019. Selon les juges, écoutez bien, l'accusation repose sur des bases incertaines, douteuses, inspirées par un récit manichéen et simpliste. Les juges soulignent la non-neutralité des forces onusiennes, dont le mandat n'était pas de prendre parti. Plus grave, le procureur a pris de premiers contacts avec certains témoins avant même d'avoir été légalement autorisé à enquêter. Est-ce que vous écoutez ça, M. Ngos? Je vous entends très bien. Si on passe ces choses-là de côté comme ça, les gens ne mesurent pas ce qui se passe. Il faut donner ça aux gens. Voilà votre justice internationale. Voilà le niveau de la. Voilà le niveau. Je ne reviens pas sur ce que j'ai rappelé constamment pendant 10 ans, à savoir que M. Babou est jugé par la femme de son bourreau. Madame Bensouda est l'épouse de M. Bensouda, qui est marocain et qui est l'homme de main de ce fameux roi. Et qui gagne des contrats, hein, des gros contrats. De ce fameux roi qu'on appelle commandeur de croyants au Maroc, roi du Maroc, n'est-ce pas? Qui était dans les troupes armées qui sont allées perpétrer le crime des crimes en Côte d'Ivoire. Et ce monsieur gagne des marchés gré à gré en Côte d'Ivoire. Comment peut-on laisser la femme du bourreau de M. Barbeau le juger, docteur Douma? C'est comme si on vous demandait, vous, de juger votre fils. Il faut qu'on rappelle ça aux Africains pour qu'ils comprennent les enjeux qu'il y a dans la libération, l'acquittement généralisé du président Barbeau. Maintenant, je vais prendre maintenant d'autres arguments. Pour que, il y a maintenant il y a un charlatan là qui veut se blanchir. Il a trahi l'Afrique pendant des années à RFI. C'est un journaliste africain très connu. Je ne ferai pas le nom de citer son nom ici. Chacun sait de qui je parle, c'est un Camerounais. Il veut se blanchir, maintenant il fait des vidéos, il raconte n'importe quoi. Il nous dit, mais vraiment, les présidents français sont élus, ne sont pas élus par les Africains. Ils sont élus par leur peuple pour défendre leurs intérêts. Donc il est normal qu'ils pillent, qu'ils volent en Afrique, qu'ils tuent même les présidents. C'est aux Africains de s'organiser pour que ça n'arrive plus. C'est ce qu'il dit, hein. Je dis, je ferai pas l'honneur de le citer. Et vous veux-tu le citer? Pas besoin de moi. Le... Je pas l'honneur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Citer ce moi, petit... personnellement, je ne l'écoute pas. Voilà. Allons-y. Ce petit personnage qui veut se blanchir maintenant, parce qu'il est rattrapé par l'histoire. Alors, on va lui montrer comment, même quand les présidents africains décident donc de faire ce qu'il dit pour protéger leur peuple, ce qui leur arrive. Quelques jours avant l'enlèvement du président Babo du pouvoir, l'Élysée a entamé des négociations avec lui. Écoutez bien. Sarkozy demande à M. Gbagbo de retenir 80% du pétrole ou des revenus du bassin pétrolier du golfe de Guinée pour la France. Ce journaliste-là, il comprend ça? 80% du pétrole ivoirien comme part de la France. Et sur les 20% restants, écoutez bien, 10% devrait être fait pour le compte du Burkina Faso. Et le reste, les 10% pour la Côte d'Ivoire. Alors, les gens qui appellent ici pour dire que le panafricanisme, c'est que les Burkinabés aillent rester en Côte d'Ivoire et prennent le pays. Voilà ça. Dites-moi pourquoi on donne 10% du pétrole ivoirien au Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'elle a hébergé la rébellion. Bon, j'ai dit donc à ce Burkinabé-là, que maintenant qu'on a découvert beaucoup de pétrole au Burkina Faso, imaginez donc qu'on va donc appliquer ça au Burkina Faso. Les Français qui mettent le feu au Burkina Faso là maintenant, pour le pétrole, n'est-ce pas, en organisant les terroristes, n'est-ce pas, vont prendre 80%. Et on va donner 10% à la Côte d'Ivoire. Et je veux voir la réaction de ce monsieur-là. Donc, M. Sarkozy a demandé à Gbagbo, donne 80% du pétrole à la France. Tu donnes 10% au Burkina Faso parce qu'ils ont hébergé la rébellion et 10% c'est pour toi. Évidemment, le président a dit non. Et je n'ai pas vu ce Camerounais journaliste qui trahit l'Afrique depuis des années à RFI aller protéger Gbagbo en Côte d'Ivoire. Il était où pour le protéger donc? Quand Gbagbo a dit non, vous connaissez la suite. On a bombardé son palais, on l'a déporté. Une fois Gbagbo déporté, Total a raflé la mise des hydrocarbures en Côte d'Ivoire.
en obtenant un deuxième bloc pétrolier offshore dans le golfe de Guinée et la plupart des concessions pétrolières. Monsieur Ngos. Et monsieur Ouattara, écoutez-moi bien, docteur Douma, avait proposé en tant que candidat 70% de la part État à la France, c'est-à-dire le pétrole ivoirien, et 10% au Burkina Faso pour leur soutien à la rébellion armée. On met de côté le deal concernant le cacao, monsieur Ngos. Donc, vous pouvez donc imaginer, une fois président, ce que Ouattara a fait. C'est-à-dire qu'il a donné à la France ce que Sarkozy réclamait à Gbagbo. Il faut rappeler ses enjeux. Il faut rappeler ses enjeux. Voilà pourquoi on assassine les présidents africains. Voilà pourquoi on tue les patriotes africains. Voilà pourquoi les présidents français sont élus pour bombarder l'Afrique. Les présidents américains sont élus par leur peuple pour bombarder les pays africains, tuer les présidents, massacrer les patriotes et s'accaparer de nos richesses. Et vous avez des Africains qui veulent justifier ça. Quand ils n'ont pas d'argument, ils divaguent en plein jour, ils délient pour raconter des bêtises. Quand j'ai dit ça, je finis donc par ton souci de réconciliation nationale. Moi, je ne connais pas faire la langue de bois. Moi, je ne connais pas. Dites-moi, chers panélistes, comment la réconciliation nationale peut se faire dans une pareille situation? Je vous pose la question. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde chante matin, midi, soir, réconciliation, réconciliation, réconciliation. Ceux qui ont mis le feu parlent de réconciliation. Les gens, les victimes, on ne les a pas vus sortir se réveiller pour dire que non, on va marcher parce que le président Gbagbo arrive. Au lieu de faire une procédure normale, quand les victimes ont fait une procédure judiciaire, et c'est leur patron qui est au pouvoir. Monsieur Ngos. Oui. Oh, ils vont faire les marches. Et pourquoi on va marcher pour qu'ils on va manifester parce qu'ils rentrent. Mais faites une procédure. Instruisez une procédure et arrêtez-le si vous avez les preuves que vous êtes des victimes, mon cher. C'est une honte. La réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, monsieur Ngos, est une affaire tellement sérieuse que la manière dont elle est abordée, puisque vous avez posé la question, par les protagonistes, démontre que personne ne veut la réconciliation. En commençant par monsieur Ouattara. Parce que pour lui, réconciliation veut dire que les Ivoiriens oublient que c'est leur pays. Écoutez bien. Réconciliation veut dire, d'après M. Ouattara et ses patrons, que les Ivoiriens acceptent d'être esclaves dans leur pays et renoncent aux richesses que Dieu leur a données. Parce que dites-moi comment on va faire un débat sur la réconciliation en Côte d'Ivoire sans mettre sur la table le dossier de la France. Sans mettre sur la table les enjeux que je viens de citer. À savoir que les Français, les chocolatiers, un gang international dans lequel vous avez l'ONU, n'est-ce pas, a partagé un pays. Et pour se protéger, pour noircir leur crime, ils importent la main-d'œuvre des pays voisins, n'est-ce pas? Ils installent ces gens-là en Côte d'Ivoire et ils font croire à ces gens que c'est leur pays. Ils les mettent devant pour qu'entre nous, on s'entretue, que les Africains s'entretuent entre nous et qu'on ne les voit pas. Et ils les donnent à la solidarité ivoirienne pour servir de cache-sexe, n'est-ce pas? Du pillage, n'est-ce pas, qui s'opère en Côte d'Ivoire, mon cher Ngos, pendant ce temps, tous les Africains l'ont réuni. Hein, quand vous comptez même ce qu'ils prennent en Côte d'Ivoire, ça n'atteint même pas 10%. Les 90% restants, ce sont les gens-là qui prennent ça. Les Madame Ouattara, les Monsieur Ouattara, la France, Bouygues, Bolloré, Total, le roi du Maroc, les chocolatiers, les Rothschild, tous les banquiers. Pays la Côte d'Ivoire, FMI, Banque mondiale, il prend les 90%. Mais M. Ngo, dites-moi dans un tel contexte, quelle politique économique on peut faire pour développer la Côte d'Ivoire? C'est le vaudou économique que vous allez faire. Vous allez faire comment? Quand on a pris tout ça, vous allez faire comment? Alors, on veut donc que les Ivoiriens se reconstruisent pour manger quoi? Les cailloux? Pour boire la boue? Mais quel est le contenu de cette réconciliation? Si on met de côté la question des ressources naturelles de la Côte d'Ivoire, la question de la richesse de la Côte d'Ivoire, qui appartient à des non-ivoiriens, on parle de quelle réconciliation? Nous attendons des politiciens ivoiriens. Je sais qu'il n'y en a pas. Du président Gbagbo et du ministre Charles Goudet, qui mettent sur la table la question, les vrais enjeux de la réconciliation. À savoir, est-ce que la Côte d'Ivoire est une province de la France? Et une sous-province des voisins qui vont venir y faire du n'importe quoi au nom, n'est-ce pas, d'une fausse conception de la multiculturalité africaine ou bien d'une fausse conception, n'est-ce pas, de l'unité africaine, mon cher Ngos, ou bien alors on fait la réconciliation et les Ivoiriens renoncent à leur pays. Voilà les enjeux de la réconciliation d'après notre lecture.
Merci beaucoup pour cette première prise de parole. Albert Alatoula ici pendant ce temps depuis hier, il faut également le préciser, les convois d'Ivoiriens et d'Africains convergent depuis hier vers Abidjan pour accueillir Laurent Koudou-Bagbo. La popularité de Laurent Koudou-Bagbo aujourd'hui ferait-elle peur aux autorités ivoiriennes? Écoutez, Steve Zongos, nous allons faire les efforts ce matin d'être objectifs dans nos analyses, très objectifs d'ailleurs. Oui. La première chose qu'il faut indiquer, c'est que Laurent Gbagbo est un acteur politique majeur dans la scène politique ivoirienne. C'est incontestable. C'est indéniable. De ce point de vue, son retour, forcément, va changer la configuration politique. Redistribuer les cartes également. Ça va également rabattre les cartes. Oui. Forcément. Et de ce point de vue, vous allez constater que les états-majors de certains partis politiques, notamment le RHDP, ils sont en train de naviguer à contre-courant au niveau de la périphérie. C'est également un fait. Laurent Gbagbo, comme tout homme politique, on peut lui concéder, il peut avoir commis des erreurs. C'est acceptable, c'est possible lorsqu'on est un acteur politique. Mais permettez-moi de revenir un peu en arrière pour regarder un peu la trajectoire justement du père de l'indépendance ivoirienne en la personne de M. Houphouët-Boigny. Mais il en a soupé des tonnes d'erreurs politiques, lui. Commençons par ces fameux accords de l'OCRS. Je crois que nous en avons parlé ici. Ces fameux accords de l'OCRS qui consacrent le pillage, n'est-ce pas, de la zone sahélo-sahélienne au profit de la France particulièrement et de manière générale de l'Europe. Parce que ces accords, de notre point de vue, et ces éléments sont là, chacun peut les consulter sur le net, demander à la France de venir exploiter les ressources naturelles et de la Côte d'Ivoire et de la zone sahélo-sahélienne. C'est-à-dire que, c'est-à-dire de fait, au Fort Boigny, crucifier déjà un quelconque industrialisation de l'Afrique. Et vous savez également que par voie de conséquence, l'OCRS a accouché ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire la France-Afrique, dont il est également l'un des membres fondateurs. Oui. Et nous connaissons aujourd'hui, sur le continent africain, le désastre, la laideur et l'horreur que représente la France-Afrique, sur le continent, en tout cas dans l'espace francophone. Et quand j'ai dit cela, je crois, parce que j'ai juste pris quelques clichés, pour constater qu'aujourd'hui, les actes qui ont été posés par Houphouët-Boigny, qui a commis franchement les erreurs qu'il ne fallait pas commettre, il faut quand même dire en passant que M. Houphouët-Boigny était non seulement un francophile, il était même français assumé puisqu'il a occupé des postes importants au gouvernement français. Raison pour laquelle, justement, il pouvait accepter, j'allais dire, vendre le continent africain, l'espace francophone africain, n'est-ce pas, à ses maîtres, à De Gaulle. Alors, quand j'ai dit cela, j'ose croire que ceux qui se revendiquent de le fautisme en Côte d'Ivoire ne revendiquent pas seulement, bien n'assument pas seulement l'actif de le fautisme, mais il faut également qu'ils puissent également assumer le passif de le fautisme, oui, dans toute sa laideur. Parce que lorsqu'on parle de l'offoutisme, il faut qu'on comprenne très bien et qu'on comprenne ce que ça veut dire. Et lorsque j'ai dit cela, c'est pour revenir à votre question, on peut multiplier comme ça des cas où des erreurs ont été commises, des erreurs politiques, des trahisons, les assassinats politiques, les crimes, tout ce que vous voulez, les crimes économiques, n'est-ce pas, les trahisons. Lorsque j'ai dit cela, la réconciliation autour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, ça va forcément, comme il le dit, redistribuer les cartes. Mais pas seulement. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, du moins, il y a une majorité qui veut la réconciliation nationale. Mais en même temps, il y en a qui veulent que, qu'on reste certaines choses, certaines questions, soit politiques ou sociopolitiques, au niveau de la justice. Mais vous ne pouvez pas parler à la fois de réconciliation nationale et parler de justice. Je fais allusion à ce collectif né ex nihilo qui demande que Gbagbo soit embastillé du fait non pas des crises ivoiriennes à qui
dont on ne peut pas attribuer, j'allais dire, la responsabilité à M. Babo uniquement, mais à d'autres camps, à d'autres personnages, à d'autres acteurs politiques. Donc, il s'agit donc des collectifs qui sont, donc, comme je l'indiquais, qui sont créés ex nihilo, non pas pour des raisons politiques, mais pour des choses qui n'ont rien à voir avec, justement, le droit. Je parle du droit objectif, du droit positif. Nous sommes dans notre débat, dans la pollution du débat politique. Ceci dit, il va d'abord falloir évacuer un préalable, sinon deux. Le premier préalable pour parler de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, c'est d'abord faire venir tous ces exilés politiques qui sont les fils ivoiriens, libérer tous les prisonniers politiques, parce que vous ne pouvez pas parler de réconciliation nationale si on ne veut pas évacuer ces préalables. Deuxième chose, on ne doit pas embrigader le débat politique, parce que lorsque vous voyez les conditionnalités qui ont été posées à Laurent Gbagbo dès son arrivée en Côte d'Ivoire, parmi ces conditionnalités, il y a son ambassadeur, il y a son ambassadement politique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas s'intéresser à la scène politique, non. Il doit rester tranquille dans son coin, éviter de se mêler dans les affaires politiques de son pays, y compris dans son parti politique. Je ne sais pas si vous trouvez cela raisonnable. C'est-à-dire qu'un homme politique, vous lui demandez, j'allais dire vous lui imposez, n'est-ce pas, de se faire harakiri, de s'exclure de la scène politique. C'est absolument inacceptable. J'ai envie de dire même intolérable. C'est de la démocratie. Lorsque j'ai dit cela, je pense également que lorsqu'on doit pouvoir régler les comptes, c'est-à-dire ceux qui revendiquent avoir été victimes soit de violence, soit de violence politique ou de crise politique en Côte d'Ivoire, il faut essayer, certainement aussi écouter cela. Parce que toutes les questions peut-être ne peuvent pas se résoudre sur le terrain politique. Peut-être qu'il va falloir également faire justice à cela, mais en même temps, il va falloir qu'il n'y ait pas d'amalgame, que les acteurs aient des visages, parce qu'il ne faut pas que qu'on se retrouve en train de faire ce qui s'est passé, de reprendre un peu ce qui s'est passé en 2010. C'est-à-dire que vous avez plusieurs acteurs qui sont mis en scène, qui peuvent être responsables d'une situation, d'un événement, y compris à l'extérieur, parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire a également des éléments à l'extérieur, exogènes. Oui. Parce que plusieurs personnes devaient être touchées, plusieurs organisations également. Absolument, y compris l'ONU. Oui. Y compris l'ONU, ça il faut le dire. En premier plan. L'ONU est certaine de ses responsables dès l'époque. Donc il ne faut pas tronquer l'histoire. Donc y compris l'ONU est certaine de ses responsables dès l'époque, y compris en France, y compris au niveau de l'Europe d'une manière générale, et en Côte d'Ivoire, et dans certains pays voisins de la Côte d'Ivoire. Donc si on doit pouvoir régler les comptes en répondant en Côte d'Ivoire, il va également falloir évacuer ces préalables. C'est important, il ne faut pas qu'on soit de mauvaise foi. Deuxième chose, et troisième chose, je ne sors pas là. Ce qui va se passer dernier jour en Côte d'Ivoire, c'est capital. On ne peut pas parler de la réconciliation en Côte d'Ivoire, plus c'est la thématique. Sans inclure Laurent Gbagbo, c'est un personnage majeur, c'est un acteur majeur de la scène politique, nous avons indiqué. Sans parler des autres, parce qu'ils sont en exil, y compris ceux qui ont joué des mauvais rôles. C'est aussi important, on doit pouvoir écouter leur voix. On doit entendre leur voix. C'est-à-dire Kimba Fori. Ils sont nombreux. Donc je pense, il faut également, on ne peut pas non plus également parler de réconciliation nationale en incluant les acteurs exogènes, parce que Paris n'a rien à voir dans le jeu politique ivoirien. Macron n'a rien à y voir. Sarkozy n'a rien à y voir. Jean-Yves Le Drian, qui est. Pourtant, ils ont signé des contrats. Qui est un raciste assumé. C'est une parenthèse, quand vous vous rappelez que Jean-Yves Le Drian, qui s'est dit démocrate, en son temps, a envoyé les barbouzes violer la résidence d'un personnel de l'ambassade du Cameroun à Paris au 7e arrondissement. Ça, faut le dire. C'était une parenthèse parce que au moment venu, on mettra ce problème sur la table. Parce que je pense que lorsqu'une personne diplomatique est enseignée dans une ambassade étrangère, il est couvert par l'immunité diplomatique. Et vous n'avez pas envoyé les barbouches chez lui, aller porter son enfant pour l'amener dans un poste politique, quelle que soit la raison. Et en son absence. Je ferme la parenthèse pour indiquer que, et terminer, pour terminer que, en disant que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire dès demain,
interpelle pas seulement la Côte d'Ivoire, ça interpelle l'Afrique francophone partout où Paris pense qu'elle a encore des prétentions d'influence. A encore des prétentions d'influence. Je vais me tourner vers vous, André Christelle Fanga. Je vais prendre justement, concernant le retour de l'Ankoudou Gbagbo demain du côté de la Côte d'Ivoire, Adama Bick Togo, à propos justement de ce retour, déclare, et je cite, « S'il y a un homme à célébrer, c'est Ouattara. » C'est pas moi qui l'ai dit. Ça vous fait réfléchir, mais moi je vous dis quand même que depuis hier, c'est ce qui arrive. Ça me laisse sans voix. C'est de la provocation. Ça me laisse sans voix. Waouh. Je comprends pourquoi il a reçu 500 millions. Parce que vous savez qu'il était criblé de dettes avant d'aller aux élections contre Ouattara. Donc... Non, ça c'est Adama Bick Togo. Ah non, je confonds avec Kakabé, pardon. Vous confondez avec Kwadio Konan Bertrand. Voilà, excusez-moi. Dit Kakabé, excusez-moi. Adama Bick Togo, c'est l'ancien vendeur d'oignons. Un ancien vendeur d'oignons au marché d'Abidjan. Qu'on a pris comme ça, on a fabriqué de toutes pièces. Et on a fait de lui un opérateur économique de premier ordre en Côte d'Ivoire. Il ne paye pas rien. Donc, quand vous suivez ce genre de discours, on tombe des nues. Voilà ce qu'on veut nous amener en Afrique, c'est-à-dire à célébrer les assassins. À célébrer des gens qui ont du sang entre les mains jusqu'au coude. On est dans les mains sales. Mais bien sûr. André Christelle Fanga, des Jean-Paul Sartre. Les mains sales jusqu'au coude. Mais attendez. Les mains dans la gadoue. Ça alors. Mais je voudrais rappeler juste une chose. Monsieur Ouattara arrive en Côte d'Ivoire. Imposé par la France. Parce que ce n'est pas un choix pour Fouad Boigny. Parce que les Ivoiriens le disent. On l'a imposé au Fouad Boigny. Et il n'arrive pas seulement et il reste tranquille. Première des choses, c'est d'abord de travailler même au Fouad Boigny lui-même. Suivez mon regard pour ceux qui connaissent la bonne information sur ce qui s'est passé entre lui et au Fouad Boigny jusqu'à même la dame qui est son épouse aujourd'hui. Donc, quand on parle de célébrer M. Ouattara, donc on va célébrer la criminalité, on va célébrer la jalousie, on va célébrer quoi sur Ouattara? Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons, mais c'est un homme qui doit déjà aller dans la poubelle de l'histoire africaine. On ne doit plus en parler de lui. C'est un nom à bannir du lexique africain. Que ça soit politique, que ça soit économique, que ça soit tout genre. Il doit être effacé. On doit gommer son nom. Donc c'est un personnage lugubre qu'on ne devons plus en parler. Mais la force des choses nous amène à parler de lui. Bon. Parce que quand nous regardons, quelqu'un dit, je veux juste un mandat. Il a pris le mandat par force. Il a dit non, ce n'est pas suffisant, il veut encore un deuxième mandat. Il a encore pris. Troisième mandat encore. Attends, vous pensez qu'il est sérieux? Un homme qui a dit qu'il veut un mandat, il se retrouve au troisième mandat. Quelqu'un qui se ment à lui-même. Parce que Ouattara, même quand il parle, lui-même ne croit pas à ses propres paroles. Ça veut dire que c'est un malade. Quelqu'un qui est déjà dans une position où il ne croit même plus à ses propres paroles. Donc aujourd'hui, vous comprenez que c'est quelqu'un qu'il faut recadrer. Et je crois que j'ai toujours dit, signaler cela. Il faut qu'on porte plainte à l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Pour non-assistance à personne en danger. Parce que Ouattara est en danger contre lui-même. C'est un danger pour lui-même. Donc il faut l'arrêter, il faut le recadrer, il faut le mettre, il faut un suivi. Pour M. Ouattara, parce que quelqu'un ne peut pas vous dire une chose aujourd'hui et dans les 24 heures, il renie la même chose. Ça veut dire qu'il est malade. Ça veut dire qu'il a quelque chose qui ne va pas dans son cerveau, dans sa tête, dans son être, dans son âme. Donc, il faut le recadrer, il faut le soigner en fait. Donc, aujourd'hui, quand Adama Bick Togo dit qu'il faut célébrer Ouattara, vraiment, c'est une horreur. C'est une parole qu'il faut immédiatement enlever. Je pense qu'il faut que, s'il faut se repentir, il faut qu'il se repente très rapidement. Surtout quand on parle d'un héros africain qui arrive. Surtout quand on parle de Martin Luther King de cette génération. Surtout quand on parle du Christ noir, le président Laurent Koudou Gbagbo. Parce que quand même, quelqu'un à main nue qui a dit, voilà, moi je ne vais pas à la guerre, je ne veux pas à la guerre, comptons simplement les voix. Monsieur Ouattara a décidé que non, on va tuer, on va d'abord aller à la guerre avant maintenant de voir qui a gagné. Donc, je pense que l'ex-président de Côte d'Ivoire, qu'on appelle monsieur, s'il faut l'appeler comme ça,
l'ex-dictateur de Côte d'Ivoire comme M. Alassane Dramane Ouattara parce que son contrat est fini, c'est terminé. Non, il n'est pas président. Il n'est pas président. Voilà. L'ex-dictateur de Côte d'Ivoire, qu'on appelait M. Alassane Dramane Ouattara, est en train de plier ses bagages parce que l'arrivée du président en exercice de Côte d'Ivoire, le président Laurent Koudoubaro, après un séjour, un court séjour, hein, à l'extérieur, un court séjour, parce qu'il était en court séjour. Parce que les gens pensaient que le temps c'est pour ça, c'est 100 ans, 200 ans, il ne va plus jamais revenir. Ils pensaient que non. Comme ils ont fait ça, ça veut dire que ça sera pour tout le temps. Mais ils oublient. Les hommes ont la montre, mais Dieu a le temps. Merci à Dieu, Kisefanga. 10 ans se sont écoulés facilement. Très rapidement même. Très rapidement. Et ils sont encore là. Ils sont encore au même stade. C'est-à-dire où on avait commencé. Parce que les gens pensaient que non, 10 ans, ça allait très vite finir. On allait oublier. Non, on est encore au point de départ. Et le point de départ, la CPI l'a bien rappelé. Qu'il doit être restitué dans tous ses droits, le président Laurent Koudoubarbo. Il faut rappeler ça aux Ivoiriens et aux Africains. La CPI dit bien qu'il doit être restitué dans tous ses droits. Et quand on parle d'être restitué dans ses droits, le premier droit, c'est lequel? D'être président. D'être président de la République de Côte d'Ivoire. Donc nous accueillons demain le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous n'accueillons pas le président Laurent Koudoubarbo. Nous accueillons le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que c'est la CPI, la justice internationale. C'est eux-mêmes. Ce n'est pas nous. Nous ne croyons pas à leur justice. Hein. Nous le savons tous. Mais comme c'est eux qui ont décidé, alors nous entrons dans cette gamme, dans cette logique-là. Donc, bienvenue, monsieur et son excellence, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire. Et au revoir au dictateur. Qui a fait 10 ans de dictature, c'est terminé. Et pendant ce temps, les dernières informations nous font savoir que du côté d'Abidjan, tous les hôtels sont pleins. Il n'y a plus de place pour accueillir Laurent Koudoubarbo. Je viens d'avoir justement l'information. Pendant ce temps, il faut également se tourner vers vous, Jean-René Douma. L'État ivoirien doit actuellement à Laurent Koudoubarbo avant sa descente d'avion 1,2 milliard de francs CFA. Et Ouattara est-il fait ou alors est-il face à un dilemme? Va-t-il rembourser les 1 milliard 200 millions de francs CFA à la descente d'avion? Et c'est un agent. Ils étaient engagés à payer. 1,2 milliard de francs CFA pour ces feuilles qu'on imprime à la Chamarie en France, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Je pense que pour... Je ne vous parle pas de ce qu'on doit lui remettre comme ancien président. Je vous parle d'une somme d'argent qu'il doit remettre justement à Laurent Koudoubarbo, 1,2 milliard de francs CFA. Oui, c'est rien. 1,2 milliard de francs CFA, c'est rien. Il va trouver les moyens à la descente d'avion, peut-être qu'il va les trouver. Les moyens, monsieur Ngos. Nous savons là où on cueille ces feuilles-là et nous avons déjà pris notre position par rapport à ça. Donc, s'il s'agit véritablement de la réconciliation, ça, ce sont des gestes qu'il doit évacuer très rapidement. Maintenant, j'ai suivi avec beaucoup de délectation. On a parlé également du dégel de compte de Laurent Koudoubarbo. Hein. Oui, il faut bien. J'espère que demain matin, avant son arrivée, ce sera bien dégelé. L'excellentissime président Laurent Gbagbo est un personnage extraordinaire. On a parlé d'un patrimoine de l'humanité. Oudi Mama de Mama, vous aussi vous êtes dans cette lancée, Oudi de Mama. Donc, voilà, donc il est extraordinaire en soi, il est la réconciliation en elle-même, il est la paix, parce que c'est un comportement, la paix doit se vivre. Oui. J'évoque ça parce que lorsqu'on a écouté tous les brillants panélistes qui ont suffisamment parlé, surtout le président Banda Kani, des enjeux qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que le jeu a toujours paru comme étant la vraie raison. Alors qu'en réalité, les motivations des actes qui ont été posés, tels que la déportation du président Gbagbo, le bombardement de son palais, etc., s'expliquent par les enjeux. Et ces enjeux... Et à mon avis, n'ont pas encore été totalement réglés. Et donc la question de la réconciliation ne peut pas être directement déconnectée de cette question liée aux enjeux
n'est-ce pas, de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Vous savez que le sous un prisme numérologique, le président Gbagbo est né le 31 mai 1945. Et lorsque vous décryptez cette date-là, parce que la numérologie, c'est cette méthode divinatoire qui permet de décrypter soit des dates, soit les événements, et d'y donner une signification profonde sur le plan spirituel. Je parle là sous le contrôle également du révérend Christelle Fanga. Donc, le 31 mai 1945, quand vous décryptez la date, c'est égal à 1. C'est égal à 1. Et je prends un certain nombre d'événements avec les dates clés qui ont émaillé, on va dire, pratiquement les 10 dernières années de la vie de son Excellence président Laurent Gbagbo. Vous voyez qu'après sa date de naissance, il a été déporté le 11 avril 2011 à la Cour pénale internationale à La Haye. Et quand vous regardez le 11 avril 2011, quand vous décryptez cette date-là, elle est égale à 1. OK ? Parce que, sa déportation, forcément, était indépendante de lui. Ce n'est pas lui qui a décidé qu'on vienne le chercher, qu'on vienne bombarder son palais sous instruction de Paris, et qu'on on a vu les images déplorables, mais je pense qu'on ne va pas revenir forcément là-dessus, tout comme il n'a pas choisi de naître le 31 mai 1945. Lorsqu'on a dit cela et qu'on a émaillé un certain nombre d'éléments qui ont accompagné le soi-disant procès qui se serait tenu et jusqu'à l'aboutissement de son acquittement total le 15 janvier, je parle là sous votre contrôle, 2019, prenez l'acquittement total du président Laurent Gbagbo et du ministre Blaise Boudé le 15 janvier 2019, vous décryptez la date, elle est égale à 1. Donc, et encore une fois, on se demande, mais ça, est-ce que c'est un hasard? Ça ne peut pas être un hasard. Pas du tout. Mais il n'est pas rentré chez lui. On l'a encore embrigadé en Belgique pendant un temps, etc. Parce qu'on se demandait s'il doit revenir ou pas. Est-ce que la question devait se poser s'il doit retourner dans son pays natal, un chef d'État, citoyen d'origine. Et il a été acquitté malgré le faux procès. Et on se demande quand même s'il doit revenir. Il doit d'abord rester dans un pays étranger pendant longtemps. OK ? Comme les décisions qui sont prises ne sont pas humaines, M. Ngos. Ces décisions-là, quand on les décrypte, elles ne sont pas humaines. Elles ne relèvent pas de la volonté des individus qui les ont rendues, ces différentes décisions. Donc, demain, c'est le 17 juin 2021. Ouais. La date de retour triomphal du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Vous décryptez 17 juin 2021, c'est égal à combien ? 1. Je suis persuadé que le président Gbagbo a donné son avis pour cette date, mais il n'a pas décidé de cette date seul. Pas du tout. Vous le savez. Donc vous avez des événements forts comme ça, et un, sur le plan spirituel, je me retourne vers... Fanga, un signifie quoi? Un représente quoi sur le plan spirituel? Un révérend. Dieu. Donc, vous voyez, merci. Donc, c'est pour dire que sur le plan de la signification profonde des événements qui ont eu lieu et des dates, bravo, docteur, n'est-ce pas, pour lesquelles ces événements ont été décantés, l'être humain n'a pratiquement pas eu d'influence là-dessus. Ça, c'est clair. Donc, finalement, ouais. Laurent Koudou Gbagbo est le 1 des 1. Il est le 1 des 1 des 1 des 1. Parce que. C'est divine. Vous voyez, c'est donc. La main de Dieu sur la vie de quelqu'un. Divine, les manifestations, n'est-ce pas, de la magnificence divine qu'on observe pensant qu'il est de la volonté des hommes. Maintenant, gage de réconciliation pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qui a été déjà dit
et tout ce qui a été dit est basé sur des faits. Les faits sont têtus. Est-ce que vous pensez que le président Ouattara, la réconciliation va relever forcément de la volonté du président Ouattara? La dimension historique, monumentale, mondiale, planétaire que le président Gbagbo a atteinte ne peut pas permettre au président Ouattara de décider de ce qu'il va faire ou de ce qu'il ne va pas faire. Wow. Il a intérêt à poser davantage des actes qui vont essayer de nous amener à un moment donné, de se dire, peut-être qu'il est en train de prendre conscience de ce que son temps est révolu. Et je dis bien, son temps est révolu. Parce qu'il il était là pour un mandat, il est au troisième mandat. Je pense que bon, lui-même souhaitait être président un mandat. Maintenant, il a amorcé le troisième mandat. Donc, il a suffisamment atteint l'objectif et il est allé au-delà. Même comme ça n'a pas été légal, parce que les faits sont là. On ne peut pas nous dire le contraire. Donc, gage de la réconciliation, oui, le président Laurent Gbagbo est la réconciliation en elle-même. Moi, je l'ai écouté maintes fois dans des déclarations. Il ne s'est jamais opposé à une nation qui tend vers l'apaisement, qui tend vers le rassemblement, la réconciliation, l'inclusion. Ce n'est pas maintenant qu'il va revenir et s'opposer à une éventuelle réconciliation. Vivement, vivement qu'il soit accueilli à la hauteur de sa royauté et que l'Afrique continue d'avoir des enfants comme ça, que Dieu le protège et continue de susciter d'autres Laurent Gbagbo en Afrique et pourquoi pas dans le monde entier, parce qu'on a besoin d'une élite dirigeante. On n'a pas besoin de dirigeants comprador, on a besoin d'une élite dirigeante qui pense à l'humanité. Merci monsieur, on a déjà fait une heure, hein, plus que 30 minutes pour sortir de cette édition de Libye ce matin. Président Barakani, tout le pays profond est prêt aujourd'hui à accueillir triomphalement Laurent Koudou Gbagbo. Qu'est-ce qui va se passer demain à sa descente d'avion? Qu'est-ce qu'il va faire en premier? Qu'est-ce qui va réellement se passer? Quel sera justement ce que Laurent Gbagbo fera comme premier geste lorsqu'il arrivera justement en Côte d'Ivoire? Ça trottine un peu dans ma tête de savoir, après 10 ans d'absence, qu'est-ce qui va réellement se passer. Je ne suis pas Dieu. Je ne lis pas ça. Il faut donner à Dieu ce qui lui appartient. J'imagine qu'il va bénir d'abord son pays, sa terre natale. La joie de retrouver la terre natale. Bénir le pays. Et comme tout à l'heure, l'excellentissime démonstration du docteur Louba, qui nous introduit Dieu dans l'histoire. Et de manière rationnelle, pas une analyse numérologique, incontestable. Il n'a plus le temps de compter, non, le mec. Non, quand quelque chose est, quand une démonstration est puissante, elle s'impose seule. Vous allez contester quoi, ce qu'il veut dire? Vous allez contester quoi? Il n'y a rien à contester. Alors, c'est une démonstration qui s'impose par elle-même, qui est qu'on voit la main divine dans la vie de quelqu'un. Et quand la main divine est dans la vie de quelqu'un, cette personne, vous me demandez ce qu'il va faire, cette personne en elle-même est un facilitateur des bonnes choses. C'est-à-dire que cette personne, partout où il est, transporte en lui, oui, malgré lui-même, des bonnes choses, des bonnes nouvelles, la paix, la joie. C'est-à-dire qu'il décomplexe les gens. C'est-à-dire par sa présence, il inspire la sérénité. Et tout ce que je dis là, se fait sans contrainte. Ça ne s'achète pas. Ça se donne, ça se dégage de lui. C'est ça, en gros, les choses divines. Gbagbo va arriver dans son pays pour que le magistère divin, je voudrais remercier le docteur Douma de l'avoir introduit ça aussi brillamment dans le débat sur la question, pour que le magistère divin aille à son terme. Et c'est quoi ce magistère, mon cher Ngoz? Nous avons déjà démontré ici que le crime des crimes s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est l'absolu du crime. J'ai appelé ça l'abjection. Des gens, les âmes pressées, n'ont pas pris le temps de comprendre ce que je mettais dans ce mot. Au président, ce n'est pas excessif. Et même après, m'ont dit, non, président, tu avais raison. Quand je parle d'abjection, ça veut dire que le mal suprême, le mal dans son état pur s'est manifesté en Côte d'Ivoire
dans des conditions historiques que tout le monde connaît. Et nous avons tous été impuissants. Pas parce qu'on ne voulait pas faire quelque chose. On voulait faire quelque chose. On avait été impuissants. Vous avez fait qu'un procès aux Ivoiriens. N'ont-ils pas défendu leur pays? Les jeunes patriotes n'ont-ils pas fait ce qu'ils avaient fait pour défendre leur pays? Ils ont fait. Et vous avez reproché aux gens d'avoir en face d'eux plus méchants, plus fous, plus forts qu'eux? Il faut laisser ça aux démocrates africains. Qui raconte des bêtises matin, midi, soir. Qui condamne les gens parce qu'ils ne sont pas sauvages, parce qu'ils ne sont pas violents, parce qu'ils ne sont pas aussi. Ils ne vont pas aussi loin dans la cruauté. On leur fait ce reproche. C'est-à-dire, il faut être aussi cruel que l'Occident pour être quelqu'un. Non, non, mon cher Ngoff. Donc, nous avons été impuissants. Comme par le passé, on était dépassés. Et qu'est-ce qu'on voit? Après 10 ans, à travers un procès dont les enjeux étaient clairs, dont les enjeux étaient des enjeux de toute l'humanité, où on a vu le tribunal du mal se mettre en place, incarné par une négresse complètement écervelée, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, complètement écervelée, qui a vendu son âme au diable, n'est-ce pas? On a vu ce tribunal du mal se mettre en place par le mal lui-même. C'est-à-dire, le mal lui-même a mis le tribunal en place lui-même, soi-disant que la vérité va y jaillir. Il était certainement très sûr, le mal, que la vérité ne sortirait pas, sinon ce serait sa vérité. Mais Ngol, qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle s'est produit. Vous imaginez ce que signifie que l'accusation sélectionne des témoins. Les pays, les transports, pour qu'ils viennent conforter les charges. Et quand ils arrivent, avant de partir dans l'avion, ils donnent des gages. Ils disent que non, on va faire le travail. Ne vous inquiétez pas, on vient faire ce que vous avez demandé de faire. Et ils viennent en courant, comme celui qui s'est fait gifler. Ils viennent, ils courent. Et ils arrivent devant le tribunal, devant le monde entier. Mon cher Ngoss, ils déchargent l'accusé. Mais si vous cherchez Dieu, vous voulez le voir comment? Mais le voilà. Et ce monsieur est libéré, mon cher. Il a acquitté un acquittement général. C'est-à-dire, le dossier, il est vierge. À la suite du général Poncet. Le général Poncet avait été mandaté par Chirac d'aller attraper Gbagbo dans sa maison, dans son domicile. C'est un général français. Après le simulacre de Boaké que les Français ont organisé pour accuser le président. Sauf que le général Poncet a dit qu'elle est rentrée en France. Non. Si vous voulez voir Dieu, aller en Côte d'Ivoire. On l'a demandé pourquoi tu n'as pas exécuté la mission pour laquelle on t'a mandaté. C'est un général, hein? C'est un général. Quand on dit un général va faire, il fait. C'est un militaire. Il a dit, si vous voulez voir Dieu, allez en Côte d'Ivoire. Donc, l'auteur demandé par le premier. Même un militaire généralissime de son rang a posé sur la table la question de Dieu en Côte d'Ivoire, mon cher gosse. Parce que 20 chars ont été mobilisés pour aller encercler et capturer Gbagbo. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Alors que militairement, il avait les moyens de l'arrêter. On ne sait pas pourquoi ce général n'a pas pu arrêter le président, mon cher Ngoss. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que on voit la main divine à l'œuvre. Cette dimension est importante. Et ça doit interpeller M. Ouattara. Ça doit interpeller que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire vient encore nous accuser à la CEP. Il a aussi accusé Dieu. Il a dit que Dieu se mêle des affaires à Côte d'Ivoire. Il a aussi accusé Dieu. Il faut que ça interpelle les gens. Monsieur Ngoss, les gens vont voir la démonstration de ces choses en Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai dit, Gbagbo ne vient pas en Côte d'Ivoire prendre sa retraite. Il faut que les gens cessent de rêver. Les rêveries de Ouattara et ceux qui l'entourent, ça fait pitié. Vous comprenez? Ils avaient rêvé que Gbagbo ne sortira jamais de la CPI, non? Eh bien, le voilà en train de lui donner un pavillon présidentiel. Il ne vient pas prendre sa retraite. Il vient continuer sa mission historique. Avec la bénédiction divine, mon cher Ngoss. Et par rapport à ça, mais il y a un passif, parce que des gens font comme là, les gens se lèvent le matin, ils font comme si on parle de réconciliation nationale, KKB, au lieu de se taire. Il s'est caché, il justifie sa trahison en racontant n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi, que Ouattara c'est un grand être humain, on aurait pu tuer Gbagbo si on voulait, quand on l'avait arrêté et tout, n'importe quoi. N'importe quoi. Les 30 000 victimes là, c'est quoi? Ce sont des animaux. Donc comme on n'a pas tué Gbagbo, vous avez le droit de tuer 30 000 personnes qui ne vous ont rien fait.
Mais que les gens se taisent, ça, parce qu'on prend 500 millions, qu'on va dire n'importe quoi. Ça va vous l'attraper, hein. Kakabe, ça va nous l'attraper. Maintenant, Bitogo, je vais dire à l'apôtre Fanga, laisse-le. Même Ouattara sait que Bitogo ne le célèbre pas. Il célèbre ses poches. C'est clair. C'est tout. Et si vous voulez, je vais déterminer son dossier. Tout ce qui pille en Côte d'Ivoire. Tout ce que Bitogo pille en Côte d'Ivoire. Donc, il célèbre l'argent qui met dans sa poche. Mais Ouattara n'est pas naïf. Il sait que ces gens-là, personne ne le célèbre. Il le craint. On le craint. Hein, parce que ceux qui s'opposent à lui savent comment ils finissent. N'est-ce pas? Il y a une spécificité ivoirienne maintenant qui est la fiole. La fiole fait disparaître les premiers ministres. Vous comprenez? Vous revenez donc, également sur ce sujet de la fiole encore ce matin. Non, ce n'est pas moi qui reviens, c'est un fait. Pas moi, c'est un fait. C'est un fait, ce n'est pas nous qui inventons. Donc, ceux qui s'opposent à Ouattara dans son camp savent ce qui les attend. Donc, ils vont le célébrer. Donc, M. Ouattara, lui, on n'est pas naïf sur le contenu de cette célébration. Alors, en matière de reconstruction nationale, rappelons le passif du président Gbagbo. Pour corroborer les thèses de Dr Douma. 1. Loi d'amnistie pour les rebelles. Nomination des rebelles à des postes stratégiques. Dont un certain Kimbafori Sorogio. Qui est sur son chemin de Damas. Parce que les gens jouent avec l'histoire. Il est sur son chemin de Damas. J'espère qu'il deviendra et passera de Saul à Paul. J'espère. Parce qu'il y a des gens qui ne retournent pas de leur chemin de Damas. Hein. Je ne le lui souhaite pas. Deuxième geste. Laisser les chefs de la rébellion prendre part à des élections sans désarmer. Troisième élément, M. Gauss. Paiement des arriérés des soldats des combattants rebelles et leur insertion dans l'armée. Enfin, décision exceptionnelle. Que candidat soit, Ouattara soit candidat. Donc, comme Douma l'a dit tout à l'heure, on ne parle pas en l'air. Comme M. Ouattara, je suis plein de réconciliation. Je suis. Non. On pose des actes de réconciliation. Gbagbo a dit, on ne parle même pas de ça. Il n'a même pas à discuter. Son histoire montre que c'est la réconciliation en marche, comme tout à l'heure disait le docteur Douma. Et son discours, depuis qu'il est président, depuis que la guerre a commencé, le discours, les actes, jusqu'à sa sortie de la CPI, aucun mot n'a jamais trahi le fait que ce monsieur serait un revanchard ou n'était pas attaché à certaines valeurs. Quand c'était, on peut raconter n'importe quoi. Quand quelqu'un est grand, il est grand. Alors, tout à l'heure, on a convoqué ici des possibles erreurs. J'ai bien compris ce que voulait dire trois ans. Mais sans le contredire, le débat n'est pas sur ça. Il ne s'agit pas de voir si quelqu'un est parfait ou pas. Personne n'est parfait, seul Dieu est parfait. Le débat n'est pas là. Il s'agit de savoir si sur le dossier qui est sur la table, qu'est-ce qu'on reproche à M. Gbagbo? Eh bien, rien. D'après la CPI, il n'a tué aucune victime, il n'a pas de victime. La CPI a été claire, la CPI a dit aux victimes qui marchent, aux marcheurs là, aux marcheurs. La CPI leur a dit clairement que arrêtez ça. Comme Gbagbo a été innocenté, il est clair que nous allons chercher les coupables dans l'autre camp. C'est l'évidence, non? C'est de l'évidence. Ça a été dit. Donc, les marcheurs, les victimes qui marchent, ils se trompent d'adresse, démontrant par là que ce sont des fausses victimes. Parce que ce qu'ils ont à faire, c'est de porter plainte dans l'autre camp. Parce que la CPI a innocenté Gbagbo et ça, en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus jamais de procédure relative à ce dossier contre Gbagbo. C'est clair et c'est net. Et ça, ce n'est pas la faute de Gbagbo, hein. C'est la faute de M. Ouattara, puisqu'il a déporté Gbagbo alors que la Côte d'Ivoire n'avait même pas encore signé le statut de Rome. Il faut rappeler ces choses-là. Alors, le fantasme sur le retrait de Gbagbo de la scène politique, c'est un fantasme. Ça n'aura jamais lieu. Bon, maintenant, qui rêve de ça? Il faut le dire. Ce n'est pas seulement M. Ouattara. Ce n'est pas seulement les Français et le gang international qui a fondu sur la Côte d'Ivoire. Je le dis, il faut rappeler. La plupart des politiciens ivoiriens, y compris dans le FPI, ceux qui font savoir de danser là que le président Yaya Toure, bienvenue là. Dans leur cœur, ne souhaitaient pas qu'il rentre. Vous savez pourquoi? Parce que son retour met en surface dans leur conscience leur trahison. Beaucoup de gens ont trahi le président, M. Gauss. Il faut le dire maintenant. Beaucoup de gens, y compris dans son camp. Je ne sais pas si c'était Afin Guessant. Tout le monde le connaît. Traître universel. Quand il a été capté par Ouattara, il était en danger de mort.
nous les panafricanistes, on s'est levé pour lui. Et il le sait, il a même reconnu. Tant mieux. Mais on ne s'est pas levé parce que on voulait, on adorait la fille Nguessan. Ce sont des principes. Il dit que nous ne sommes pas comme les gens pensent. Mais c'est un traître. Et il continue à faire son travail de trahison. Il n'est pas le seul. Toute la bande de gens qui ont fait, ils ont volé l'argent sous Bagbo, ont pillé les caisses de l'État. Ils ne veulent pas que le président rentre comme ça. Ils ne veulent pas. Parce que certains dossiers vont revenir à la suite. Je chute avec tout ce que Bagbo a incarné. Mais surtout, M. Goss, la répression et la criminalisation du patriotisme et du nationalisme. Si on ne met pas en valeur cet enjeu, on n'a pas compris. Le problème de l'Afrique, c'est quoi? C'est que nos ennemis sont passés maîtres dans l'art de réprimer et de criminaliser le patriotisme. C'est-à-dire que, et il faut que les intellectuels africains, les soi-disant démocrates, prennent ça en charge. Si leur discours aura un sens un jour. C'est-à-dire, tant que les intellectuels, l'élite africaine, qui se proclame démocrate, ou bien les professeurs en professorat, comme un que tu as cité ce matin, au Cameroun, le ministre Amadou, professeur en professorat, hein, qui s'asseye et prenne en charge au niveau intellectuel de la pensée, la signification de la répression et de la criminalisation, mon cher Ngo, du patriotisme et de l'amour de son pays dans ce monde. Pourquoi, quand vous avez votre pays, ce monde vous tue? Pourquoi, quand vous avez l'amour de votre nation, prélude à l'amour de l'humanité? Parce que quelqu'un qui n'aime pas son pays ne va pas aimer, ne va pas faire le saut jupitérien pour aller aimer l'humanité. Le prélude à l'amour des hommes, c'est l'amour de son pays. Pourquoi un monde qui est organisé pour réprimer et criminaliser ceux qui ont leur pays? Pourquoi il y a ce silence des autorités religieuses, des penseurs sur la question? Le problème, c'est ça. Bagbo est allé à ce pays. Pourquoi? Parce qu'il a aimé son pays. Mais un président sert à quoi? Si ce n'est pas aimer son pays. Pourquoi dès qu'un président aime son pays, on coupe son cou? On l'envoie en prison. Mais c'est le débat fondamental politique, mon cher Goss. C'est le débat politique fondamental de ce 21e siècle qui commence. Et on aura le temps justement de revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Tant qu'on tourne autour, on fait de la comédie. Et quand vous allez mettre ça sur la place, vous allez voir pourquoi. Tous ceux qui mangent dans les mains de Paris, tous ceux qui sont initiés par les Illuminati, tous ceux qui sont les produits de ces milieux ténébreux-là, ne veulent pas qu'on mette ça sur la table. Parce que quand on met ça sur la table, eh bien, qui est accusé? Les Illuminati et toutes les forces démoniaques qui détruisent ce monde. En 4 minutes, Albert Anatola, ici, le dialogue Bédié, Bagbo, Ouattara serait-il un passage obligé? C'est une exigence. Mais il n'y a pas que. Ce sont les acteurs majeurs également. Mais pas seulement. Parce que lorsqu'on doit parler de réconciliation, la réconciliation en Côte d'Ivoire, ça doit impliquer tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens. Et le quartier de Laron, c'est. N'oubliez pas que. Guillaume Sohom. Entre autres, il n'est pas le seul. Vous avez l'autre. Oh, il n'est pas mon ami. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux qui sont partis, qui est en Belgique, qui est en Suisse, qui est en. Ils sont nombreux, qui sont hors du territoire. Ils sont nombreux. Donc, mais en même temps, il y a un élément, il y a deux éléments qu'il faut quand même convoquer dans le débat. Vous avez l'instrumentalisation du tribalisme en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous avez des individus qui ont amené sur la scène publique le tribalisme, c'est-à-dire que le Nord, ce n'est pas fait pour gouverner, pour prendre le pouvoir à Abidjan, ce n'est que le Sud. Alors que cela n'a été dit nulle part par Bagbo. Ça, il faut le dire. Tout à l'heure, le président Bagbo, le président Banakane a convoqué les faits historiques palpables. Vous inquiétez pas, peut-être que c'est Bagbo qui parlait au travers de sa bouche. Bon. Non, des choses palpables, n'est-ce pas? C'est les concessions qu'il a faites. C'est-à-dire les concessions qu'il a faites lorsqu'il avait le magistère en Côte d'Ivoire. Bonjour, c'est-à-dire accepter déjà de diriger, comme d'habitude, de diriger un pays qui était divisé. Oui. Il faut le faire. Et sous embargo. Sous embargo, il faut le faire. Et il faut aussi, je pense, s'agissant de la question de l'embargo sur les médicaments, je pense qu'il y a un crime contre l'humanité. Je pense qu'il y a un acteur majeur également en Côte d'Ivoire qui doit répondre, c'est ça, parce que vous pouvez mettre l'embargo sur tout, mais sauf sur les médicaments. Et il faut quand même dire qu'il y a les Ivoiriens qui sont morts du fait de cet embargo. Et ça, il faut le dire, oui. Avec l'acteur majeur qui est actuellement également en Côte d'Ivoire, parce que ce sont ces gens qui ont mis cet embargo sur le médicament en Côte d'Ivoire. Avec l'appui du Vatican. C'est important. Avec l'appui du Vatican. C'est important. Il faut être précis de l'Église catholique. Catholique, ça. Il faut être précis. Donc, alors, comme j'ai dit cela, il est essentiel que, pour qu'on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire, tout à l'heure, je l'ai dit,
on doit pouvoir se dépouiller de Paris. Parce que Paris doit continuer de se mettre des affaires ivoiriennes, on ne va pas sortir de l'auberge. Il faut que les éléments extérieurs soient dépouillés. Paris, Rabat et les autres, que ça sorte du territoire. Alors qu'ils possèdent actuellement la Côte d'Ivoire, Albert Anatola, ici. Je vous dis, il faut remettre à plat ces contrats-là. C'est ça la considération. Il faut remettre ces contrats à plat. Parce qu'aujourd'hui, la plupart. Le Maroc a des parts en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des. La France a des parts en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire une chose. L'Union européenne a des parts en Côte d'Ivoire. Je dis, on va pouvoir remettre ça on doit remettre ça à plat. Oui. Non, écoutez, la Côte d'Ivoire a été vendue. Maintenant, on doit pouvoir remettre justement ce contrat de vente à plat. Sinon, la cause de ça, la consultation, c'est quoi? Ça doit pouvoir passer. Ça l'a pas obligé. C'est la condition sine qua non. Je ne vois pas un Européen qui va accepter que son pays soit vendu à des étrangers, à des investisseurs, entre guillemets étrangers. Non, c'est inacceptable. Aujourd'hui, vous avez en Côte d'Ivoire un jeune qui est dynamique. Mais quel est son rôle? Quelle est sa place au niveau de l'endéloppe économique? Elle est reléguée, n'est-ce pas, à la place de sous-traitante. La jeunesse ivoirienne. Ou bien elle est obligée d'aller chercher fortune ailleurs. Moi, j'en connais qui sont obligés de venir investir au Cameroun ou alors au Ghana, à côté. Pourquoi est-ce qu'un Ivoirien ne veut pas investir dans son propre pays? Pourquoi est-ce que tous les secteurs de l'activité économique ivoirienne sont dans les mains des étrangers? Des étrangers et prioritairement entre les mains des locodermes français. Ça me pose un problème. Quand j'ai dit cela, je voudrais également convoquer. Il y a quand même un gros scandale actuellement en Côte d'Ivoire. Il n'est pas politique, il est économique celui-là. Mais c'est quoi cette histoire de métro ou de tramway qui va coûter 1 000 milliards de francs CFA? C'est ce qui contribue encore à endetter, justement. Macron. À endetter les Ivoiriens. 1 000 milliards de francs CFA. Alors que ça n'a pas marché du côté du Sénégal. Et alors que ça n'a pas marché du côté du Sénégal, du fait de la crise énergétique. Et en plus. Ce métro est stationné, il ne bouge pas depuis des années. Et vous avez un secteur. L'agent est parti. Ça pose quand même problème. Et il est poussiéreux. Allons-y rapidement. Donc je pense que ça, il faut également évacuer. Lorsque vous retrouvez avec ce genre de scandale à répétition, ça veut dire que la tête est pourrie. Il faut que pour que la tête ne soit plus pourrie. Le plus grand économiste. Il faut dépolluer l'espace ivoirien et pas l'espace politique, l'espace économique, culturel, parce que ça aussi, il y a un problème. Il faut dépolluer l'espace social. C'est un autre problème. Il faut renouveler la classe politique également parce que la même chose vaut pour la Côte d'Ivoire, la même chose vaut pour le Cameroun, le Gabon et les autres. Donc je pense que, pour terminer, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, ça interpelle tous les Africains. Tous les Africains, vous a compris parfaitement Albert Anatola ici. André Gisèle Fanga, pendant ce temps, depuis quelques temps du côté de la Côte d'Ivoire, on parle d'une menace terroriste. Et c'est un rapport d'une enquête, d'enquête des services sécurité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà préparé pour mettre à mal la politique de Laurent Koudou-Bagbo? Ben, je crois que tous les scénarios sont possibles. Ouattara, il nous a habitués à tous les scénarios. Vous voyez un peu, je crois que c'est sur lui qu'on a expérimenté le projet de président élu. Vous voyez un peu, vous comprenez maintenant les présidents élus un peu de partout. C'est la première expérience qu'on a fait en Afrique, c'est-à-dire expérimenter le modèle de président élu. Vous voyez un peu, et vous avez vu la chaîne, ça a suivi les présidents élus, président élu, président élu, président élu, président élu et tout par le reste. Par la communauté internationale. Donc c'est sur lui qu'on a expérimenté ça. On pensait que ça allait réussir au Gabon, on pensait que ça allait réussir au Cameroun, on pensait que ça allait, comme on a vu le modèle qui a été réussi en Côte d'Ivoire. Donc cela a échoué. Donc quand vous regardez tous les scénarios possibles, vous regardez que M. Ouattara est habitué à ce genre d'événement, à ce genre de scénario. Donc les rébellions, les machins, les attentats et tout le reste, non, c'est un chef rebelle. Vous savez, il y a un adage qui dit à Ivoirien surtout, qui dit qu'un morceau de bois enduré dans l'eau ne peut jamais devenir caïman. Donc vous ne pouvez pas demander à Ouattara de devenir un patriote, de devenir un homme de paix. Pourtant, il y a quelques jours, Jean-Yves Le Drian a justement, il faut le dire comme ça, célébré, il faut le dire, l'arrivée de l'Académie contre le terrorisme du côté de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez que ce qui est en train de se passer au Mali est en train de, va affecter la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la France met les garanties, en fait veut mettre les garanties en base arrière pour essayer de protéger. Parce que l'une des choses qu'il faut savoir, d'ailleurs même il y a quelqu'un qui a répondu au président du comité quoi des victimes là, il dit qu'on te connaissait ici comme représentant de la communauté malienne. Le CVIC. C'est ce qu'il est.
Donc, regardez les incongruités. Donc, il était représentant de la communauté malienne en Côte d'Ivoire. Subitement, il est devenu le président des victimes ou bien de l'association des victimes de crise. Victimes de la crise ivoirienne. Ivoirienne. Donc, des crises au pluriel. Crises. Donc, vous voyez le CVIC. Vous voyez les incongruités dans le pays de M. Alassane Dramane Ouattara. Donc, vous comprenez que tous les scénarios sont possibles et je pense que tous ceux qui ont fait le déplacement ou bien tous ceux qui vont en Côte d'Ivoire doivent éviter justement d'être dans les endroits où il y a les climatiseurs parce que la fiole est toujours en train de travailler et Ouattara a prévu. Et maintenant que tous les hôtels d'Abidjan sont pleins. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il soit prudent parce que M. Ouattara va nous habituer, on va vous monter un petit scénario de quelques émeutes là et tout ah bon que donc vraiment voilà les probables ont causé quelques émeutes et justement c'est le scénario qui est prévu par le RHDP mais c'est ce que je suis en train de dire c'est ça le scénario pour dire que non voilà ça a causé trouble à l'ordre public donc demain il va falloir donc être très prudent donc, il faut être très prudent ne pas céder à la provocation c'est parce qu'il y a des gens le secrétaire général de Front Populaire Ivoirien a indiqué c'est à dire qu'il faut éviter de la provocation parce qu'ils vont utiliser la provocation. La provocation, parce que vous savez que le gars, c'est l'une encore des fabrications de M. Alassane Dramane Ouattara, les microbes. Vous voyez qu'il a conçu, on a d'abord conçu le président élu, président reconnu au niveau international. Ça a failli apprendre toute l'Afrique. Et maintenant, on a conçu un nouveau modèle, c'est-à-dire les microbes. Les microbes sont un genre de rébellion ou de terroristes urbains. C'est-à-dire, la police les encadre, la gendarmerie et tout le reste. Ils portent même les tenues des policiers et tout le reste, donc, et commettent des exactions. Sur DBS ce matin, nous avons monté des images où ils viennent justement avec des très grandes voitures, des Land Cruiser. Exactement. Escortés justement par les policiers. Escortés. Ils sortent et continuent, commencent à faire leurs exactions. Celui qui était chargé de ça est décédé. Donc, il a été violé. Maintenant, le photocopie, c'est-à-dire, reprend la relève et c'est lui qui continue à faire cette armée-là. Donc, et vous voyez que ce phénomène est en train de s'étendre dans nos différents états. Vous connaissez déjà qu'au Cameroun aussi, il y a déjà le phénomène des microbes. Donc, il faut véritablement arrêter ce monsieur parce que M. Ouattara est très dangereux. C'est un poison. Il a commencé de manière économique à empoisonner nos économies, c'est-à-dire les privatisations. C'était lui le champion des privatisations. Donc, de manière économique, c'est lui qui a tué la plupart des entreprises africaines. Parce que c'est lui qui a proposé ce plan de restructuration, de soi-disant, de restructuration de nos économies. Et il fallait quoi? Il fallait privatiser. Et il a parcouru tous les pays pour dire que privatiser. Parce que si vous ne vous privatisez pas, vous n'allez pas vous en sortir économiquement. Donc, voilà, ce criminel, il a continué. Il n'a pas seulement tué les êtres humains, il a tué nos économies et il a encore en train de créer d'autres phénomènes aujourd'hui qu'il faut qu'on l'arrête le plus rapidement possible. Donc, l'ex-président de Côte d'Ivoire, l'ex-dictateur de Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, doit être arrêté et traduit dans un tribunal africain. Merci beaucoup, André Christophe Vanga. Non, vous savez... Vous voulez nous diplomatiser. On ne vous diplomatise pas, président Madaka. Ce n'est pas le moment. Jean-René Douma, je vais me tourner vers vous pour sortir de cette édition de DBS Matin. On parle également du côté de la Côte d'Ivoire de débordement, parce que depuis un moment de temps, c'est le terme qui est utilisé du côté de la Côte d'Ivoire et surtout par les autorités ivoiriennes. Ils disent craindre les débordements de la part des pro-Bagbo, de la part des Africains qui ont déjà pris d'assaut, il faut le dire comme ça, Abidjan, dans l'attente de leur président. C'est encore une preuve, si on en avait encore besoin, que le président Laurent Gbagbo est un très grand personnage. Si on l'accueille de manière festive, évidemment, il faut que ça mobilise des foules, que des gens expriment leurs émotions. Évidemment, lorsqu'on a affaire à des effectifs élevés, je pense que l'État a le devoir d'encadrer. Et comme on parle de camp, évidemment, il faut éviter, surtout pour nous les pro-Gbagbo, parce que moi je suis un pro-Gbagbo. Ne vous inquiétez pas, tout le monde le sait, hein, c'est ce que les policiers. Voilà. Pour nous les pro-Gbagbo, nous devons éviter, même étant en Côte d'Ivoire, évidemment la provocation, puisque les copanélistes l'ont déjà évoqué, il faut tout faire pour ne pas tomber dans le piège
du camp adverse qui, en réalité, auraient intérêt à se réjouir avec nous. Parce que nous parlons de la réconciliation. Il n'y a donc pas de raison qu'on continue à mettre des pièges pour pouvoir justifier des choses que les gens ne croiront même pas. Parce que nous sommes sûrs que ce soit le président Laurent Gbagbo lui-même ou les pro-Gbagbo, ce n'est pas cette catégorie-là qui pose problème en Côte d'Ivoire. Lorsque je l'ai dit, permets-moi, Steve, de revenir sur quelque chose que Troisa a évoqué. Il a parlé de du renouvellement de la classe politique. Et chaque fois, ce sont les propos d'Emmanuel Macron, hein, le 28 novembre dernier, le 22 novembre dernier. Donc j'ai bien compris et c'est pour ça que je réagis. C'est pas lui qui est le détenteur de la paternité de ses propos. Mais ce sont ses propos. En fait, ça justifie ma réaction. Parce que j'ai mis ça sur le compte des propos du président Macron. Donc pour moi, quand on parle de renouvellement générationnel dans la politique, ce n'est pas une question d'âge physique. Et pourtant, c'est l'impression que le président Macron donne lorsqu'il parle de l'Afrique. Il parle des chefs d'État africains qui seraient âgés. Lui, il est le plus jeune chef d'État. Lui, il parle de renouvellement générationnel. Moi, je parle du renouvellement de la classe politique. Il y a une nuance. D'accord. Il y a une nuance fondamentale, mais la plus haute fonction politique, c'est être chef d'État. Donc, si on renouvelle la classe politique, c'est pour qu'on ait des chefs d'État de 20 jeunes, ans. Mais pas en âge. Qu'on peut manipuler plus facilement. Non, il faut avoir des chefs d'État dignes d'être chefs d'État. Le président Macron est l'exemple qui a fait rêver certains jeunes en âge. Mais aujourd'hui, le bilan est là. Et je pense que le bilan, il est là. Donc, les chefs d'État les plus âgés qui l'ont précédé, ils sont plus ou moins mieux en sortie. Non, c'est clair. Donc on ne nous rabâche pas cette histoire de il faut être jeune en âge, etc. Parce que il est évident qu'il faut avoir un âge politique jeune. Je dis bien âge politique jeune. Parce que le président Trump, il a quel âge? Le président Biden, il a quel âge? Puisque c'est la première puissance mondiale. Il a quel âge? Donc le président Gbagbo qui revient, qui a 76 ans à peine, est très jeune. Politiquement parlant, il est même plus jeune que certains jeunes de 40 ans en politique, et parce qu'il a des prédispositions à pouvoir conduire la Côte d'Ivoire et par là même l'Afrique vers ce que les panafricanistes souhaitent. C'est-à-dire le patriotisme doit être au centre de tout et l'humanisme doit être au-delà de tout ce que qui sera fait. Donc nous lui souhaitons la bienvenue et nous estimons que son arrivée va métamorphoser l'atmosphère au niveau de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique pour que nous soyons fiers davantage de nos dirigeants. Eh bien, demain, c'est le grand jour, il faut le préciser. Demain, jeudi 17 juin de l'an de grâce 2021, on parle de retour de Laurent Koudou Gbagbo, 15h45 heure d'Abidjan et bien sûr 14h45 heure d'Afrique centrale. On espère tout simplement que nous serons également en direct pour savoir ce qui va se passer de ce côté-là. Nous allons lire quelques messages de nos téléspectateurs ce matin, messieurs. Steve, bonjour, c'est Edmund HBV depuis l'Ebé au Togo. Steve, il n'y a personne au Cameroun pour remplacer Monsieur Johnson. Je ne sais pas de quoi il est question. Va aller savoir. Bonjour, c'est les chasseurs du pouvoir qui noircissent notre beau pays. Merci à vous également de nous avoir écrit ce matin. Bonjour le plateau, c'est Djibril du Bénin. Le président Gbagbo fera son retour en paix et la quiétude par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je confirme que Macron est vraiment un jupitérien. Sinon, comment comprendre qu'un bon chrétien soit giflé et qu'il nous donne plus la seconde joue pour recevoir la deuxième gifle? Il est vraiment sectaire. Pas un croyant. Bonne journée à vous et gloire à l'Éternel, la DBS. Et à l'émission d'Ibril qui nous écrit depuis le Bénin ce matin. Ben, vous êtes tous provocateurs, monsieur. Bonjour, à moins d'avoir constaté la repentance et la conversion de Ouattara, les Ivoiriens doivent se préparer au pire. Celui qui a embrassé chaleureusement Gbagbo lors des débats de la présidentielle de 2010, alors qu'il finançait la rébellion avant de verser les bombes françaises sur Abidjan. Vous verrez bientôt le pire. Ado, il n'y aura réconciliation que si Gbagbo a obtenu sa libération qu'après des gages à la Nelson Mandela. Je pleure pour le peuple ivoirien. C'est Ewonu Cyril qui nous écrit depuis Douala au Cameroun ce matin.
Non, Fanga, il déconne avec son Jésus-Christ. Ça montre que dans la tête que le lavage a bien fonctionné. Il croit que Jésus est blanc et le sauveur aussi, vraiment. C'est navrant, ce type de croyance. Et vous ne laissez pas votre nom. Donc vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Le mec, il écrit avec le plus 49. Et qui vous a d'ailleurs dit que on a déclaré que Jésus-Christ était blanc? Prière de bien regarder. Christ, le Jésus-Christ qu'il nous montre. C'est clair. Hein? Ne vous inquiétez surtout pas, je pense que ce téléspectateur ne nous a pas suivis. Bonjour à vous tous sur le plateau, mes sincères salutations et mes mots de courage, fondateur de cette chaîne. Les ennemis seront nombreux, les menaces et les attaques seront votre quotidien, mais accrochez-vous à la barque, la terre promise n'est pas loin. C'est Ayi Komi Yovogan depuis Togo à Vepozo. Bonjour, ravi de vous suivre ce matin au... pour parler du seul survivant de nos héros, son Excellence Laurent Koudou Bagbo. Avec Laurent Bagbo, la réconciliation est amorcée par la poigne de la personne et connue par tous et humaniste qu'il est. La réconciliation est inévitable et je dis ses victimes entre griffes car corrompus qu'ils sont, ils feront mieux de se taire sinon ils auront affaire au courroux de Dieu et de nos ancêtres. Et avec le retour de Laurent Bagbo, c'est que cette poupée de l'Union Européenne qu'elle a CDAO changera sa veste pour l'épanouissement de l'Afrique si celui de Nelson Mandela a raté, celui de Bagbo ne ratera pas. In fine, car Dieu est dedans. Fortuné depuis le Togo ce matin. Toujours des messages, messieurs, il y en a tellement. Je vais lire encore deux, puis après on va se séparer. Hein. Il y a certains qui nous envoient des images. Bonjour, cher admirable monsieur Ngos, juste pour vous signifier par ma voix l'indignation de plusieurs parmi vos téléspectateurs, le malaise qui nous habite lorsque vos invités de panélistes convoquent la religion sur le plateau. Pourquoi est-ce que ça devrait vous énerver? C'est son droit et même le vôtre d'avoir des convictions religieuses qui sont les vôtres. Mais de grâce, beaucoup parmi nous viennent vers votre émission pour le contenu des thématiques abordées et du rôle de libération qu'elle se donne, que notre admirable ami se réserve donc le droit de parler de ses convictions religieuses et de cette religion. On vous accomplit parfaitement, vous avez votre droit de le dire, mais pas notre droit de l'empêcher. C'est deux choses très différentes. Bonjour le panel, chers frères. Le vrai problème de l'Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes depuis la nuit des temps. Tant qu'il n'y a de sorcier dans ta maison, aucun sorcier n'a pas accès. Et cette malédiction poursuit l'Afrique depuis que l'esclavage du tout premier de l'humanité a été commis en Égypte sur le peuple hébreu. On vous a compris, c'est Victor Lomé depuis Togo. Jusqu'à preuve de contraire, vous ne nous suivez pas et vous n'avez absolument rien compris. Bonjour, c'est Latifi Moula depuis Sokodé au Togo. La France, ce pays de malheur et tous les sorciers qui ont détruit la Côte d'Ivoire n'ont aucun intérêt que Bagbo rentre au pays. Alassane Ouattara n'est que leur mercenaire, un prototype unique en jarre. Mais pour Bagbo, soit il rentre cette fois, si ou il ne rentrerait qu'après la mort de Ouattara. Alassane, merci, merci également à vous de nous avoir écrit ce matin. Un dernier message. J'aime le président Laurent Bagbo, mais la manière et la façon dont beaucoup de choses ont été facilitées m'inquiète. J'ai peur pour sa sécurité. Vous avez une voix qui porte. Dites à ses proches d'être très, très vigilants. C'est Biteng Daniel PK12 Gonjo. Je pense qu'on l'a fait, ne vous inquiétez surtout pas. Merci de nous avoir écrit à vous également ce matin. On espère justement que ses proches nous suivent. Et d'ailleurs, ils nous suivent tous les matins. Et ils nous le disent haut et fort. Il faudrait justement être très, très vigilant, vous qui êtes autour de Laurent Koudou Bagbo. André Kissef Fanga, merci d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie en disant que les Ivoiriens, sachez qu'il y a Dieu dedans. Et il y a toujours Dieu dedans, on vous comprend parfaitement. Docteur Jean-René Douma, merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci pour l'invitation, M. Steve. Les coups commencent à... Oui. La pression baisse. Nous clôturons les l'année académique. Je viens de faire le MBA. Vous inquiétez surtout pas. Merci beaucoup. Président Barakani, merci d'avoir été là ce matin. Le président Bagbo est arrivé à la CPI. On a constaté un niveau d'empoisonnement très élevé. On le dit. Oui. Il a été soigné. Le risque n'est pas écarté avec son retour en Côte d'Ivoire. Ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire sont des fioleurs. Donc. Le risque n'est pas écarté. Non, il faut le dire. Parce que nous, on passe le temps à crier ici. Il faut le dire pour que l'entourage du président et le président lui-même prennent les dispositions. Mais, comme je m'en disais tout à l'heure, je fais confiance à la main de Dieu. Parce que s'il a survécu à tout ce qu'il a traversé jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour être abandonné à la fin. Je voudrais vous faire plaisir ici. Concernant la censure que nous subissons. Est-ce que vous savez que les sénateurs américains se sont levés pour dire que trop c'est trop et que Facebook, Twitter, YouTube ont franchi les lignes rouges?
et qu'il faut prendre des mesures pour arrêter ça. Pour vous dire que quand on parle ici, ça ne tombe pas dans le... Dans le vide. Dans le vide. Ils nous ont compris finalement. Il faut que l'entourage du président Gbagbo termine par là. Au président, il faut qu'on regarde très bien le dossier Simone Gbagbo. Je ne dirais pas plus. On se comprend. On se comprend parfaitement. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. Écoutez, je voudrais sortir par un problème qui préoccupe au très haut point, n'est-ce pas, le président Bandakani. Je crois que maintenant que AstraZeneca, selon ses concepteurs, n'est pas efficace, ceux qui ont reçu ça vont ravaler un peu leur langue. Il semble que c'était, c'est pas moi qui le dis, il semble que c'était un placebo qui était administré. Maintenant, les essais sont encore en cours pour voir si c'est le bon. Si c'est le bon. En tout cas, nous en avons parlé, nous avons discuté, savez, nous avons tout dit. C'est le tout ceci qui avons parlé. On n'est pas pressé. On attend. Ce bon. Dossier, nous n'est pas pressé. Je pense qu'on aura le temps de remettre les guignols de l'info. Qui nous ont dit qu'au départ, ce ne sera pas un médicament. Ben, ça sera... L'huile de frein. General Motors est actionnaire. Il y a une scène où vous voyez les vidéos où les gens montent. Oui. C'est que tu es vacciné. Montre que le téléphone peut caler. Alors j'ai vu un média, un grand média français qui voulait contredire ça. Excusez-moi bien, c'est-à-dire, le monsieur a démenti en une seconde. C'est-à-dire, il montre l'image, il dit que c'est le fake en une seconde. Il était tellement... C'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un veut demander une chose, mais il est tellement mal à l'aise d'en parler parce qu'il sait qu'il y a un problème. Il sait qu'il y a un problème en une seconde. Merci, monsieur, d'avoir été là. Acquitté le 15 janvier 2019 par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo est redevenu une force politique dans son pays. Dans son village à Mama, dans le sud-ouest du pays, le retour de Laurent Gbagbo est déjà célébré. Des milliers de partisans y séjournent depuis plus d'une semaine. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.